واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et ça rentre dans le fait de maudire ses parents, ça se trouve dans le fait que quelqu'un maudisse les parents d'une personne. Et que cette personne donc va dire quoi ? Va maudire tes parents. Donc c'est surtout, yani, dans ce contexte, que ça existe le fait de maudire ses parents. Parce que peut-être qu'il n'y a pas qui le font, c'est vraiment rare, sauf les voyous et les soulards et les drogués. Sinon, ça peut arriver à qui ? Ça peut arriver à celui qui, lorsqu'il se bagarre avec quelqu'un ou il y a une altercation entre lui et une personne, il va lui dire que Allah maudisse tes parents. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va lui répéter ? Qu'est-ce qu'il va lui répondre ? De l'appareil. Il lui dit que Allah maudisse tes parents, toi. Donc, en maudissant les parents des autres, tu as été la cause de la malédiction de tes parents. Attention, tu deviens maudit.